Transforme ton iPhone en une caméra 360 avec réalité virtuelle. Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui je vais te présenter l'Insta360 Nano. Cette caméra contient une lentille double fisheye 210 degrés, c'est-à-dire une devant et une derrière. Logique aussi pour pouvoir filmer en 360. La résolution vidéo et photo est de 3040 x 1520 pixels. Par contre, au niveau de l'enregistrement vidéo, on n'est que à 30 images par seconde. J'aurais préféré 60 images parce que si on fait des petites activités et que c'est assez rapide, 30 images par seconde, c'est peut-être pas assez suffisant. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que tu peux intégrer une carte micro SD jusqu'à 64 Go. Et qu'en plus de ça, bien sûr, tu peux le brancher eh bien, à ton iPhone. Pour brancher cette fameuse caméra Insta360 Nano, eh bien, il faut donc le brancher sur son iPhone grâce au port Lightning. Sachant aussi qu'il y a trois applications qui sont gratuites. Il y a donc l'Insta360 Nano, l'Insta360 Studio et l'Insta360 Player. Alors je peux comprendre, c'est un petit peu compliqué comme ça. La plus intéressante, eh bien, c'est l'Insta360 Nano. Le poids de cette caméra est de 70 grammes, sachant qu'elle intègre une batterie de 800 mAh. Dans le coffret, on retrouve donc la caméra, le câble de recharge micro USB, une garantie de 1 an, un papier d'information sur le produit, un guide d'utilisation, mais attention les gens, il n'est pas en français. Alors ça, c'est un petit peu dommage, sachant qu'il y a aussi un étui pour ranger eh bien, cette fameuse caméra. On se retrouve maintenant à la partie la plus intéressante de la vidéo, qui est de tester cette fameuse caméra. J'ai juste à brancher eh bien, la caméra à mon iPhone. Et je vais vous mettre dans la description le lien de la vidéo en 360. J'active là maintenant l'enregistrement 360. Alors regardez la qualité, en plus de ça, juste devant moi, il y a une magnifique vue et que c'est vraiment, mais vraiment super joli. Vous allez voir, alors là, il y a juste Pablo qui est à côté de moi sur son téléphone, qui est en train de regarder si je suis en train de faire correctement ma vidéo. Et même sur mon écran, je peux tourner et voir autour de moi. C'est vraiment mais super bien fait ça par contre. Et cette fameuse vidéo, lorsque je vais arrêter l'enregistrement, je peux l'enregistrer depuis l'application Insta360 ou alors l'héberger directement eh bien, sur YouTube, qui va comprendre directement le format et qui va le redistribuer tout facilement et très simplement eh bien, sur YouTube en 360. Malheureusement, elle n'est disponible que pour les iPhones et à partir du 6S. Et cette caméra n'est pas compatible pour les Samsung, il faudra acheter une autre caméra Insta qui soit compatible eh bien, pour ces mobiles. Le prix de cette caméra est de 249€. Dites-moi ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. Boum, merci à tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et tu sais quoi, continue à regarder mes vidéos parce que tu vas kiffer.